Le chauffeur d'une camionnette a fauché des cyclistes et passants mardi dans le sud de Manhattan, faisant 8 morts et au moins 11 blessés le jour d'Halloween, un mode opératoire déjà observé à travers le monde. Et sans attendre la confirmation de la police et du FBI, le président américain Donald Trump a évoqué l'organisation État islamique. Il a tweeté, je cite, « Nous ne devons pas permettre à l'EI de revenir ou entrer dans notre pays après les avoir vaincus au Moyen-Orient et ailleurs. Assez. » C'est la première fois depuis le 11 septembre 2001 qu'un attentat fait des morts à New York. Plusieurs médias, dont le New York Times, ont indiqué que le chauffeur, qui a été interpellé vivant par la police, avait crié « Allahu Akbar » en sortant de son véhicule, mais aucun responsable n'a confirmé dans l'immédiat cette information.